ONG Action Familiale pour le Développement, ADES, a procédé à la remise officielle du bâtiment du Centre de formation technique professionnelle pour la réinsertion socio-économique de jeunes à risque à Bouandanda dans le territoire des Kabaré. La cérémonie a été présidée par l'administrateur du territoire des Kabaré, Tade Midero Lundwire. Dans son mot, il a loué le professionnalisme de l'ADES et sa fidélité pour avoir terminé la construction dans les délais prévus malgré l'existence de la pandémie de la COVID-19. Il a aussi remercier la population de Kabaré pour l'accompagnement dans l'exécution de ces projets. Comme vous le constatez, ce projet est d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes à risque et s'inscrit ainsi dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, relayé en province du Sud qui vous parle, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Teongwa Bijekasi, et par nous-mêmes, en territoire de Kabaré, en tant que représentants de l'État. La journée du 7 novembre 2020 va rester inoubliable par la population bénéficiaire, compte tenu de besoins cruciaux de doter les milieux ruraux des écoles professionnelles qui aideront à lutter contre le chômage. Notre joie s'explique ensuite par le fait que l'organisation ADES a fini les travaux dans les délais, malgré la COVID-19, car nous avons été ici poser la première pierre, c'était le 7 septembre 2019, et la remise de l'ouvrage sera effective ce jour. Les territoires de Kabaré étant vastes, car il s'étend sur deux chefferies, la chefferie de Kabaré qui a 14 groupements, la chefferie de Ninja qui en a 3, nous souhaitons donc que l'État congolais voit dans quelle mesure faciliter l'organisation ADES à s'étendre sur toute l'étendue du territoire de Kabaré, ou alors créer deux autres centres. L'une serait dans la chefferie de Kabaré et l'autre dans la chefferie de Ninja. Nous remercions sincèrement le ministre national du Plan qui a bien voulu orienter ses projets dans notre territoire. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui a créé un climat de sécurité favorable, sans quoi le travail ne serait pas exécuté dans le délai. Nous remercions également l'organisation ADES pour avoir fini les travaux à temps. Et enfin, nous remercions la population de Bougoumi pour leur accompagnement du projet. Pour les bénéficiaires et les gestionnaires du projet, les territoires leur demandent de bien garder cet ouvrage en beau-père de famille, car devra servir les générations présentes ainsi que les générations futures. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de l'organisation Action Familiale pour le Développement Social, ADES, Alesha Mavulukwebo, a fait savoir que la construction a duré 12 mois et financée par la contrepartie Congo-Japon en partenariat avec le ministère national du Plan. Il a indiqué que ce bâtiment a 5 salles pour l'apprentissage, un bureau administratif et des installations sanitaires. Pour cette année scolaire, le centre de formation technique professionnelle encadre 122 apprenants, dont 75 hommes et 47 femmes, dans les domaines de la menuiserie, la maçonnerie, l'agriculture, l'élevage, la conduite auto, le cantonnage, l'électricité et la coupe et couture. Allez, Chamavou. Au moins 100 jeunes à risque et ex-combattants, source d'insécurité dans le territoire de Kabaré. Assurer l'accompagnement psychosocial et l'éducation civique. Assurer leur formation en différents métiers. Utiliser ces jeunes à risque formés comme main-d'œuvre au sein de l'entreprise partenaire locale recrutée pour la construction du centre de formation professionnelle. Réaliser la construction
ainsi que l'équipement en mobilier et matériel didactique du centre de formation professionnelle. Le projet a duré 12 mois à partir de la pose de la première pierre intervenue le 7 septembre 2019 avec des résultats satisfaisants. Présent à la cérémonie, John Kukuhu, directeur de fonds de la contrepartie Congo-Japon au ministère national du plan, a été impressionné par la qualité de l'ouvrage. Formuler les discours ne servent à rien. Tout a été dit ici. En tout cas, au niveau du bailleur, on est impressionné par la qualité de la construction que nous voyons ici. Si les jeunes de Burandaranda sont capables de construire, de souder, d'étoler des bâtiments tels que nous voyons, en tout cas, c'est une situation à encourager et nous pensons que le développement commence par là. Nous voulons donc encourager l'ONG ADES que dirige de main de maître M. Alain à continuer pour que demain après-demain, nous venions encore inaugurer un autre projet réalisé de la même manière que ce que nous venons de voir ici. Le représentant de la VPM a dit tout à l'heure que le projet a été dirigé de main de maître et nous ne pouvons que encourager l'ONG ADES à continuer sur cette lancée. Nous vous remercions. La population bénéficiaire a promis de bien gérer ces centres pour une bonne pérennisation de ces projets. L'activité a été clôturée par une visite guidée de tous les locaux de ces bâtiments, mais aussi la remise des brevets aux 20 jeunes qui avaient terminé la formation au sein de ces centres. Suivez avec intérêt la joie de quelques habitants de Buandaanda. Monsieur le coordonnateur de l'ADES, chers membres et partenaires de l'ADES, distingués invités et à vos titres et qualités respectifs, nous disons bonjour. Bonjour. Grande est notre joie en ce jour non ordinaire où nous avons la chance de recevoir de vos mains une grande œuvre comme celle-ci qui contribue au développement de notre village de Buandaanda en particulier, du groupement de Bougore et du territoire de Kabare en général. En effet, pendant plusieurs années, passé, notre communauté présentait un besoin d'avoir un centre de formation professionnelle, mais aujourd'hui, grâce à vous, nous venons d'avoir ces grands bijoux dans notre milieu. Merci pour vos efforts. Merci pour les efforts de chacun des intervenants pour que cet ouvrage se réalise ici chez nous. Notre reconnaissance s'adresse particulièrement à la coordination de l'action familiale pour le développement social, ADES en sigle, qui a canalisé ce projet dans notre territoire et surtout dans notre village, qui par ses pauvres mots, les bailleurs de fonds trouvent notre gratitude. Nous ne pouvons pas oublier de remercier toutes les autorités politico-administratives qui ont, de près ou de loin, accompagné ces activités. Merci à la population de Bougore et de manière particulière à celle de Buandaanda pour l'implication et la participation locale pour la réussite de cette œuvre grandiose. À tous et à chacun, nous disons merci. Respectueuses autorités et vous, distingués invités, tout en vous remerciant pour ce premier pas, nous ne cessons pas de vous présenter d'autres besoins urgents et nécessaires que notre population, à savoir la construction d'une maternité à Buandaanda, la réhabilitation de la route de dessert agricole Buandaanda vers Kavumu Centre, la construction d'une salle polyvalente pour les rencontres des jeunes et pour diverses réunions, l'amélioration et la valorisation de l'agriculture et l'élevage et autres. Ainsi, nous vous prions de continuer à frapper à d'autres portes. Ainsi, nous vous prions de continuer à frapper à d'autres portes
pour mobiliser et encadrer les fonds en notre faveur. La communauté bénéficiaire vous promet de bien garder ces bâtiments et tout autre patrimoine de l'ADES. Nous demandons à cette population de s'approprier donc cet ouvrage, que la jeunesse s'implique activement dans toutes les activités et que les parents envoient leurs enfants dans la formation au sein de cette institution. Que dire encore? Mweshi Mokongwa, Mohinge, Munaïse, Muganze, Munagandaze, na ADC Adje Inyanya. Que vive la République! Et vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud-Kivu, que vive les territoires de l'égéphérie de Kabare, que vive les groupements de Bougoré, que vive les villages de Bouandanda, que vive l'ADS et tous ses partenaires. Nous disons et nous vous remercions.
conseil de ADES. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, l'insécurité persistante dans certaines régions de la RDC, plus particulièrement à l'est du pays avec des incursions armées répétées, est l'un des facteurs qui empêche une bonne planification des actions de développement dans les milieux ruraux de la nation congolaise. Les jeunes désœuvrés en quête de moyens de survie constituent généralement des cibles privilégiées pour les recrutements par les groupes armés qui écument nos populations paysannes. Les projets de construction du centre de formation professionnelle à Bouandaganda pour la réinsertion socio-économique des jeunes à risque, que nous avons la joie de réceptionner ce jour, est apparu aux yeux du ministère du Plan comme l'une des solutions pertinentes à la stabilisation de la région. La consolidation de la paix étant une condition sine qua non pour toute action de développement à la base, l'ONG ADS a obtenu un financement du ministère du Plan à travers la direction du secrétariat de fonds de contrepartie dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Japon pour l'exécution du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes à risque par la construction du centre de formation professionnelle dans le territoire de Kabare, province du Sud-Kivu, pour un montant total de 280 000 dollars. Monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu, ses représentants, monsieur l'administrateur du territoire de Kabare, monsieur le président de l'ADS, les seigneurs invités à votre titre des qualités respectives, mesdames et messieurs, l'accord de cession subvention a été signé entre le ministère du Plan et l'ONG ADS en date du 16 juin 2019. Avec comme objectif identifier 100 jeunes à risque et ex-combattants sources de l'insécurité dans les territoires de Kabare, assurer l'accompagnement psychosocial et l'éducation civique des 100 jeunes identifiés, assurer par l'INPP ou autre une entreprise partenaire la formation en différents métiers des 100 jeunes accompagnés, utiliser comme main-d'œuvre de 100 jeunes formés au sein de l'entreprise partenaire locale, recrutés pour la construction du bâtiment du centre de formation professionnelle. Réaliser la construction et l'équipement du centre de formation professionnelle à Kabare, composé de 7 bâtiments, dont 4 pour les ateliers de formation, et un bâtiment pour l'administration, et un pour la pratique et un pour les installations sanitaires. D'après le planning d'exécution, le projet devrait être mis en œuvre dans 12 mois. Mais avec les difficultés générées par la pandémie de COVID-19, le projet s'est réalisé en 14 mois, soit 2 mois seulement de glissement, ce qui est une performance louable au regard de la situation économique que traverse notre pays. Je profite de l'occasion pour féliciter l'ONG ADES pour le professionnalisme qu'elle a fait montre durant la réalisation de ce projet, pour la poursuite de la formation et l'encadrement des jeunes du territoire de Kabare et des environs. Nous encourageons vivement l'ONG ADES à nouer des partenariats avec le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers ou d'autres structures appropriées quant à ces. Pour finir, je demande à l'ONG ADES et aux bénéficiaires du centre de formation professionnelle de s'approprier des acquis du projet, d'en assurer une gestion adéquate et d'entretenir le bâtiment pour pérenniser les acquis du projet.